Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Makum akhukum Idriss Yaqali for Gestion Academy. Inch'Allah, nous allons vous servir dans cette vidéo. Vous allez vous servir, Inch'Allah, vous allez vous partager pour que vous allez vous servir. Vous allez vous servir dans la vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va utiliser les agrégats de la monnaie et de placement liquide. Ce chapitre, on va utiliser bien sûr 4 axes principaux. On va utiliser des notions qui sont susceptibles d'être utilisées en bête. Les échelles d'inflation, récession, équilibre économique, etc. Les agrégats de la monnaie, à savoir M1, M2, M3. Les agrégats de placement liquide et la masse monétaire, c'est-à-dire qu'il faut mesurer la vitesse de transaction et la vitesse de revenu. Alors, pour le même temps, il faut acheter la définition, bien sûr, d'un agrégat. Un agrégat peut être défini comme étant l'indicateur statistique ou bien macroéconomique qui indique, bien sûr, qui détermine le niveau de circulation de la monnaie. Dans une année. Alors, au Maroc et partout dans le monde, les autorités monétaires, au Maroc, la Banque centrale et la Banque du Maghreb, mesurent la liquidité de la monnaie en circulation. Donc, partout le monde, bien sûr, partout dans le monde, on recense, mais on calcule la liquidité de la monnaie qui circule. À travers, bien sûr, les agrégats de la monnaie et de placement liquide. Qu'est-ce qu'un agrégat? C'est un indicateur macroéconomique qui renseigne sur le comportement d'une grandeur au cours d'une année. Alors, par exemple, si on veut avoir une idée sur le comportement de l'investissement au Maroc, les investissements fumerides, comme je vous l'indicateur, les rois, formation brute de capital fixe. Brian Choufo, niveau d'IEL, le revenu national, comme je vous l'indicateur, d'IEL PIB, le produit intérieur brut. Quand elle est le niveau d'IEL, la monnaie qui circule, les quatre circulent, fait l'économie ou bien fait le marché. Donc, comme je vous l'indicateur d'IEL, l'agrégat monétaire. Alors, pourquoi on recense la liquidité de la monnaie en circulation? On recense la liquidité de la monnaie en circulation pour avoir une idée, bien sûr, sur le comportement des agents économiques sur le marché envers les dépenses en matière d'achat et ce qu'il achète trop ou il achète moins, soit inflation, soit récession. Donc, bien sûr, c'est une responsabilité de la Banque centrale. Alors, nous avons vu le niveau de circulation de la monnaie, parce que nous avons vu la monnaie qui est l'économie ou la clé. Il y a un phénomène qui est la clé, il y a un autre phénomène. Ou bien joue qui impacte négativement, bien sûr, l'économie nationale. La Banque centrale a obtenu des responsabilités, maintenant qu'elle a le rapport entre le dirham et la devise, qu'elle contrôle le marché monétaire. Il met en place les procédures via le marché monétaire et les règlements, etc. Alors, pour bien comprendre les phénomènes de la radine Julena, on va prendre un exemple. Pour bien comprendre les choses, on va procéder par un schéma ci-dessous d'une économie fictive de 4 individus. Non, tu vois, l'économie n'est pas faire par les individus. Mais c'est là. Alors, on a 100 unités monétaires, bien oméga. Oméga, il y a l'unité monétaire, soit le dirham, soit le dinar, soit. Alors, on a 100 oméga pour chaque individu. Donc, pour 4 individus, donc 400 unités monétaires. Donc, on a l'économie équilibrée, 400 unités monétaires qui circulent dans l'économie à travers les individus. Alors, demain, on va voir. Alors, supposons que la liquidité de circulation de la monnaie dans cette économie est de 400 unités monétaires. Et avec ces 400 unités monétaires, l'économie est équilibrée. C'est-à-dire, maquinage l'inflation, la récession, c'est une situation de l'équilibre parfait. C'est-à-dire que tout le monde est content, personne n'est mécontent. En d'autres termes, ces individus avec les 400 unités monétaires, bien sûr 100 unités monétaires, ont pu effectuer les transactions dans les meilleures conditions. Alors, on a quel équilibre? 4 individus
كل واحد فيهم عنده 100 يونيتي مونيتير كاين في المجموع 400 يونيتي مونيتير ما كاينش حتى مشكل دابا غنمشيو نلعبوا على بيان سور لا ماس مونيتير لا ماس اللي كي سيركول في ليكونومي كانت 400 غادي ندوبلوها غادي نردوها 800 غنشوف واش غيطرى دونك مانتونون اون فا شانجي اون فاريابل اي ليسي لي زوتر فاريابل انشانجي Alors ici, on va supposer que la quantité de la monnaie en circulation devient 800 unités monétaires. Les autres éléments dans l'économie restent inchangés. Donc, quand on va dire les individus, on va dire les individus. Voilà, il n'y a qu'un ordre, mais unité monétaire et où l'autre monnaie est tout d'emploi. Donc, en moyenne, chaque individu se trouve non pas avec 100 unités monétaires, mais avec 200 unités monétaires. Donc, quand l'économie est 400 ou 800, donc automatiquement les gens et quand ils ont 100 unités monétaires, ils ont bien sûr 100. Bien sûr, ils ont plus de que le comportement des ménages ou bien de l'acheteur. Bien sûr, ils ont plus de donc ils ont plus de Alors, quand ils ont plus de les vendeurs constatent que les acheteurs ont plus d'argent. Mais quand ils ont plus de les vendeurs réchauffent les gens qui ont plus de l'argent. Est-ce qu'ils disent قانون العرض والطلب لا 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 دوموند كيطلعوا البري ملي كيشوفوا واحد السلعه عليها العرض بزاف كيطلعوا على الثمن ديالها دونك بما انه كيطلعوا الثمن دونك لي فوندور اوغمونت لي بري اللي كيعطينا لانفلاسيون اوتوماتيكمون شنو هي لانفلاسيون سي لوغمونطاسيون جلوبال اي جينيرال ديال كاع لي نيفو دو بري ديال لي بيان اللي كاين في ليكونومي كيفاش كتحسب لانفلاسيون سي ان بورسونتاج كيتحسب اترافير واحد الباني ديال 236 بيان كنشدو واحد الباني فيه 236 بيان اللي كاينين عندنا في l'économie ou quand je fais l'évolution du dialogue quand je fais augmentant général et globalement d'une façon générale d'une façon globale donc la inflation quand je fais l'auto si les prix de nos biens sont élevés c'est à dire qu'ils coûtent très cher sur le marché international personne ne va acheter nos produits donc automatiquement il n'y aura plus de touristes plus d'investissements bref l'économie risque de s'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'inflation ? Non, dans l'inflation, on a qui sortent les prix. Mais qui sortent les prix ? Première chose, qui sortent les prix de la nation, de le pays. Donc, qui sortent les prix du pays. Donc, les touristes qui veulent y jouer, ils n'ont pas envie de jouer. Donc, tous les cas, ils jouent plus cher. Première chose, on a perdu parmi les piliers de l'économie. Deuxième chose, on a des choses qui sont drôles. Alors, on ne va pas acheter des drôles plus tard. On va acheter des drôles plus tard. Donc, on va pas acheter des drôles. Donc, c'est un problème autre. دونك هادشي علاش قلنا لافلاسيون كتشكل خطر كبير على ليكونومي خصنا نجيروها بواحد لا فاصون اوبتيمال اترافير بيان سور واحد الانديكاتور اللي هو لاغريغا دونك هادشي علاش كيجي لاغريغا دونك لافلاسيون سي اون اوغمونطاسيون جينيرال او نيفو دي بري دابا مانتونو غنشوفو لوتر كا عندنا 400 بيان سور كون كونتيتي دو لا موني كي سيركول في ليكونومي دونك غتولي دابا 200 دونك ملي غتولي 200 دونك لي انديفيدي عاد ما يولي عندهم 100 يونيتي مونيتير غتولي عندهم 150 دونك لوغ ديبونس فون تيتر ديفيزي بار دو دونك il n'achète plus comme avant et par conséquent bien sûr et par conséquent les producteurs vont baisser le prix alors انت ملي كيقولوش عندك الفلوس بزاف ما باقيش كتشري بزاف alors داك الناس اللي غادي يبيع لك غادي يشوف ما كتشريش بزاف اول حاجه غادي يهبط البري ثاني حاجه ما باقيش غادي يصنع بزاف Il ne va pas produire d'une façon comme auparavant. Alors, jusqu'à cette diminution, bien sûr, cette diminution va atteindre le seuil de coût de production. Les producteurs vont diminuer la production. C'est ce qu'on fait dans la majorité des entreprises des automobiles. Les entreprises des automobiles, je dis, elles ont même les chauffeurs qui ont fait la récession. L'économie qui est chômage technique. Alors, c'est ce qu'on appelle le chômage technique. Ces entreprises ferment pendant 3 ou 4 mois afin que le produit devienne plus rare dans le marché. Et lorsqu'on diminue la production, bien sûr, mais quand on diminue la production, c'est les ouvriers qui ont géré le léon. Donc le nombre de personnels diminue également. Et par conséquent, l'économie tombe dans la récession. Donc la récession, c'est la diminution de l'activité économique et plus le chômage. La récession est donc pire que l'inflation. Alors. La récession, alors mais il y a le contraire de l'inflation, le contraire de l'inflation ou déflation. Donc l'inflation, il y a l'augmentation des prix ou la récession, il y a le record. Alors donc FNA aide les deux cas, inflation, récession. Donc aide qui j'ai banque l'Emirat ou bien la banque centrale, que t'aoule stimule l'agrégat monétaire. باش ما تكون لا انفلاسيون لا ريسيسيون حيت شفناهم الخطر ديالهم على ليكونومي دونك كتحاول تخلي لا سيتوياسيون نوتر اي ايكيليبر بارفي
Donc, on voit que la banque centrale doit éviter que la quantité de monnaie en circulation soit inférieure à la quantité de monnaie optimale. C'est un jeu de tâtonnement. Si on constate que l'économie va tomber dans l'inflation, on intervient, bien sûr, pour baisser la quantité de la monnaie en circulation. Si on constate que l'économie va tomber dans la récession, on injecte de la monnaie. Alors, est-ce que dès la banque centrale, dès les indicateurs, quand contrôler l'activité ou bien quand contrôler le marché monétaire à travers l'agrégat monétaire, ou bien de placement liquide à travers l'agrégat de contrôle, les voies monétaires, il est chef niveau, bien sûr, il est chef les prix talaïs, le chef de la masse monétaire talaïs, est-ce que tu dis que tu as une chose, mais tu as une chose, mais tu as une chose, l'inflation. العكس دابا شفت القضيه بدات تموت شويه في المارشي ما بقاوش لي ترانزاكسيون بزاف الماس مونيتير غادي وكتهبط اش كدير كتحاول تانجيكتي لا ليكيديتي كتحاول تضخ لا ليكيديتي في لو مارشي باش دير ليكيليب دونك هذا هو الدور ديالها اترافير لاغريغا مونيتير aussi il faut introduire les agrégats de la monnaie et de placement liquide donc entre les agrégats عندنا جوج عندنا لي agrégats de monnaie et de placement liquide غادي نشوفو كل وحده Donc, l'idée principale à retenir, c'est que la banque centrale construit les agrégats de la monnaie et de placement liquide afin d'avoir une idée sur le comportement des agents économiques en matière de dépenses. Si la quantité de monnaie est trop élevée par rapport à la norme, on dira que les agents économiques vont se comporter positivement en matière de dépenses. Ici, on a un risque d'inflation. Si maintenant les agents économiques possèdent une quantité de monnaie très faible, et leur ont tendance à dépenser moins. Ils vont donc se comporter négativement sur le marché en matière des dépenses, donc le risque de la récession. Bien sûr, il faut être économique antiquilibré, il est la masse monétaire, les prix, donc, qu'est-ce qu'on va dire l'inflation, la banque centrale, la quantité de la monnaie qui circule, à travers avec l'indicateur je voulais que vous l'avez à donc la quantité de monnaie là tout là peut-être les ouais l'indicateur économique les ouais un agrégat ou les la chef et les chefs l'économie peut-être qu'à savoir donc tu as injecté la monnaie parce que l'activité ou bien que l'économie mais je me trouve récession maintenant on va d'abord les agrégats de la monnaie alors au Maroc la banque centrale il y a banque le Maroc définit trois agrégats de monnaie alors qu'est-ce que les agrégats de monnaie et de placement liquide. On peut les agrégats de monnaie, on peut les placements liquides. Les agrégats de monnaie, qu'est-ce que l'agrégat M1, l'agrégat M2 et l'agrégat M3. Alors, l'agrégat M1, c'est la disponibilité monétaire, c'est la monnaie au sens strict, l'IA, bien sûr. M1, est-ce que ça oui, il y a la monnaie divisionnaire, les pièces, dirham, plus les billets de banque, les 20 dirhams, 200 dirhams, 100 dirhams, etc. Plus la monnaie scripturale, l'ensemble des détenus ou bien des avoirs en banque. Donc, l'agrégat monétaire M1, Miflus, Drahm, plus la monnaie divisionnaire, plus les billets. Ou les pièces plus les billets, c'est la monnaie fiduciaire. Donc, c'est la monnaie fiduciaire plus la monnaie scripturale. Alors, l'agrégat M1, la monnaie, bien sûr, fiduciaire, plus la monnaie scripturale. La monnaie fiduciaire, il y a les pièces plus les billets. Les pièces, au moins, la monnaie divisionnaire. Alors, les transactions au Maghreb, la monnaie divisionnaire représente même juste 3% des transactions faites au Maroc. Donc, arrivent les transactions les kandirou, ma kandirou humch bzaf be, bien sûr. N'ahit la quantité, n'ahit la valeur des transactions. Alors, et là les gens chauffent les transactions quand c'est amélioré, de moule hanout, quand c'est amélioré, ben chez lui chez ma quand c'est amélioré, je fais les transactions. Donc, elles représentent juste même juste 3% des transactions faites au Maroc. D'abord. La quantité des pièces ne cesse d'augmenter, mais la part des pièces dans les transactions ne cesse de diminuer. Il y a une nisba la monnaie divisionnaire, ou bien nisba la monnaie divisionnaire, les pièces. Il y a une augmentation bizarre, ou il y a une augmentation, ou il y a la valeur des transactions. Les transactions, nisba les entreprises qui diront à travers les chèques, à travers les chèques, etc. Aussi, bien sûr, les billets de banque. Les billets de banque au Maroc représentent en matière de transactions à peu près 25 annuellement avec les billets de banque. On achète à raison de 20 à 25 des biens et services sur le marché. Alors, sur le marché aussi, les cambriums chez les Wimbio, chez les transactions, les cambriums à travers les billets de banque, chez les dirhams, 50 dirhams, 100 dirhams et 200 dirhams. Et d'ailleurs, chez les BRA, les IA, presque 70%, donc par la monnaie scripturale, les IA, la monnaie de compte, les IA, la banque. La monnaie est gérée par la banque. Mais cette vidéo n'a que mes
استفدتي معنا ومازال غتقدر تزيد تستافد. كمل معنا هذا الفيديو ان شاء الله وتستافد معنا وما تنساش كما قلنا لك انك تبارطاجي. كذلك الا كنتي باغي تستافد معنا من الدوره التكوينيه في الدار البيضاء او على الانترنت يمكن لك تخرج معنا عن طريق الضغط على الرابط هنا ويوصلك ان شاء الله ويوريك الطريقه ديال الانخراط. كما تعرفوا عندنا دي فورماسيون اونلاين على الانترنت ودي فورماسيون في الاكاديمي في الدار البيضاء. نتمنى انكم تستافدوا ونخليك تكمل الفيديو ديالك. السلام عليكم. Alors, d'abord, la monnaie électronique. La monnaie électronique n'est pas prise en compte déjà pour la simple raison que la banque centrale considère que toute forme de la monnaie électronique n'est rien d'autre qu'une forme évoluée de la monnaie scripturale. Nous savons que tu traites en tant que la monnaie électronique ou bien la monnaie virtuelle, il est déjà dans l'autre chapitre précédent. Alors, nous savons que tu traites la monnaie électronique ou la monnaie virtuelle, raquise zulik minwa had le compte. Avec le compte, c'est un compte bancaire. Donc, zulik minwa la monnaie scripturale. Donc, هذا هي واحد تيب ou bien واحد c'est une sorte من la monnaie scripturale. داكشي علاش ما كتحسبش la monnaie électronique في l'agrégat. Maintenant, l'agrégat M2. Sachant que les agrégats ديما كنرتبوهم le plus liquide, le moins liquide. Donc, l'agrégat M1 qui est futur, plus liquide, fil plus, bien sûr, pièce et billet, زائد la monnaie في la banque. Et là, on va nous acheter bien ou on achète pas, carte guichet, etc. Alors, l'agrégat M2, moins liquide. Quand je dis de moins liquide. Donc l'agrégat M2 est égal au M1, les déjà hasbna, les ou la monnaie divisionnaire plus les billets plus la monnaie scripturale. Quand je dis de le placement à vue. Alors, là, même le placement, on a même comme dire de pauvre banque, comme chose qu'on place au flux, car le flux de la banque. Quand il y a deux types, il y a le placement, soit placement à vue, soit placement à terme. Alors, deux notions ici. Notion de placement qui signifie l'argent qui produit de l'argent, c'est-à-dire taux d'intérêt. Quand je place l'argent dans la banque, je vais avoir de l'intérêt. C'est-à-dire, on a droit à des intérêts. Et la notion à vue qui signifie qu'on peut récupérer notre argent à tout moment. Et là, on a droit à le placement à vue, placement à terme. Placement à vue, ou on a comme chose de flux dans la banque. Ou on a comme chose de zoom, de zoom, de zoom, de zoom. Par contre, placement à terme, quand tu as des flux dans la banque ou que tu as des comptes avec la banque, il est à terme. Tu vas mettre des flux, mais tu vas mettre des zones, tu vas mettre des 4 ou 5 jours. Donc, tu vas mettre des flux, tu vas mettre des 4 ou 5 jours. Donc, ce que tu as à vue, c'est plus liquide à terme. À vue, tu vas mettre des zones, c'est à terme. Donc, ce que tu as à dire, placement à vue, mais flagrant M2, c'est un chauffeau, mais le plus liquide, le moins liquide, tu vas mettre des temps. Alors, de sorte de placement à vue, en fait, il y a deux produits. Les placements à vue ont deux produits. Il y a des avoirs en compte sur carnet auprès de la banque, le compte sur carnet, et des avoirs sur livre auprès de la caisse d'épargne nationale. La caisse d'épargne nationale, ou bien, le baril, le bosta, etc., quand tu as dit le livre, le carnet. Donc, tu as un placement à vue. Donc, tu m'as dit chez plus. Ou tu as les avoirs en compte sur carnet. Le compte sur carnet de la banque, tu as le compte sur carnet. Ou tu m'as dit que des carnets, que tu as le plus. Alors, la banque met à notre disposition un petit livret. C'est un carnet d'épargne qui n'est plus un moyen de paiement direct. Elle laisse mettre un moyen de paiement direct. Voilà, comme ça, un moyen de paiement. Il me dit que tu as des flux faits. Ou alors, il me dit que tu as des flux faits. Ou alors, il me dit que tu as des flux faits. Là, quand tu as des banques, parce que tu as des flux faits, tu as des flux faits. Tu as des moyens de paiement direct. C'est un moyen de paiement indirect. D'abord, on va revenir sur le sujet. On a la distinction entre M1 et M2. On va prendre trois agents économiques. La plus liquide et la moins liquide. Alors, on va prendre trois agents économiques. Un agent qui possède de la liquidité. Un deuxième qui possède un compte sur chèque ou bien compte sur carnet. Et un troisième qui possède un compte sur chèque. Il faut voir compte, a dit. Et un troisième qui possède un compte sur carnet. Alors, on voit que ça n'a pas le même degré de liquidité, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas le mettre avec les deux produits. Voilà, Tchelech Madrenach, mais le même produit. Bien sûr, de même famille. C'est que la monnaie est la liquidité par excellence. Ces placements à vue, on les appelle pas la monnaie, mais c'est la quasi-monnaie. Donc, même si c'est la monnaie, ce sont placements à vu. Ou alors, je vais vous dire que c'est quasi monnaie, parce que quand je vais vous dire que c'est un peu plus de monnaie, je vais vous dire que c'est presque monnaie, quasi monnaie.
الوغ رجعوا لهذيك قلنا الى عندنا واحد لاجون ايكونوميك مشينا نتقداو شي حاجه انا عندي بيان سور كونت واحد اخر عنده كونت ا في الاخر عنده كونت ا تيرم شكون اللي غادي يخلص دغيا بيان سور انا وداك اللي عنده كونت ا في انا غادي نخلص ديريكتومون داك اللي عنده كونت ا في يجيب فلوس يخلص ديريكتومون مي داك اللي عنده كونت ا تيرم خصو يتسنى حتى تزيد 3 شهور ولا 4 شهور عادي ياخذ الفلوس عادي يدير لا ترانزاكسيون دونك كنشوفوا لي ليكيد اللي يمكن نخلصوها دغيا نخلصوا الموين اللي نخلصوا به دغيا الوغ لاغريغا ام 3 دابا لاغريغا ام 3 هي ام 2 اللي حسبنا ديجا بلس لي بلاسمون ليكيد اللي هي لي بلاسمون ا تيرم الوغ لي بلاسمون ا تيرم بيان لي بلاسمون ا تيرم سي دو لارجون كي برودوي دو لارجون مي ا ليشيونس سي تادير كون نو بو ريتيري دو لارجون كا ليشيونس انا ملي كنحط لارجون ديالي في واحد البنكه باش ناخذ لانتيري بيان سور سوا نمشي وقت ما بغيت نعاود نرجع فلوس هذا كيتسمى بلاسمون افو سوا خصني ندير كونطرا واحد ليشيونس من دابا عام ولا داك الشيء عاد نمشي ناخذ دوك الفلوس دونك هذا هو البلاسمون ا تيرم بيان سور في المغرب البلوكاج دي كونط او ماروك فاري اونتر 3 موا مينيموم اي ماكسيموم 2 اون بلاسمون ا تيرم في المغرب ما يمكنش يهبط على 3 شهور ما يمكنش يفوت عامين On reprend l'exemple, bien sûr, l'exemple précédent des trois personnes. Les deux premiers acteurs, le titulaire d'un compte sur chèque et un qui possède de la liquidité, ils vont payer immédiatement. Mais le titulaire d'un compte sur carnet, ça va lui nécessiter d'un quart d'heure, bien sûr, jusqu'à 30 minutes pour récupérer de l'argent. So, imchi, hital la banka, yate homme le carnet, yakhoud le flus, ou j'y khals, aad. يمكن يدير لا ترانزاكسيون ديالو فوالا مانتونون غادي نزيدو واحد الكاتريام بيرسون هاد الكاتريام بيرسون هو السيد اللي عنده بيان سور ان كونط بلوكي او بيان كونط ا تيرم هاد السيد اللي عنده كونط ا تيرم واش غادي يخلص ديك الساعه لا علاش حيت ديجا قلنا انه خصو يتسنى حتى لي شيونس حيت دير كونط ا تيرم كونط ا تيرم على لي شيونس كيلعب دونك حط فلوسهم دابا 3 شهور خصو يتسنى حتى دابا 3 شهور عادي يجيبهم يدير لا ترانزاكسيون ديالو Alors, Gna, la plus liquide, voire compte, compte à vue, la liquidité Tahia, bien sûr, la liquidité par excellence, les monnaies divisionnaires, aide dans un dernier lieu, les voies, le compte à terme. Placement à terme au Maroc se compose de trois produits, les placements à terme. Kane, qui est le compte à terme, ce sont les comptes bloqués, ou les comptes bloqués, comme chez Kandir Makwa de. كونطرا انه غادي يمشي انا نحط فلوسي عندك في البنكه ولاني ما غاديش ناخذهم حتى دوز واحد المده كيتبلوكا فوالا كاينين لي بون دو كيس اي سيرتيفيكا دو دي ديبو لي بون دو كيس او سيرتيفيكا دو ديبو سو سون دي تيتر بيان سور ايمي بار لا بانك دون لو كادر دو سا بوليتيك دو ديفيرسيفيكاسيون دو فينانسمون كي بيرمي دو مينيميزي لو ريسك اشنو هاد لي بون دو كيس او سيرتيفيكا دو ديبو هو انها كدير لا بانك استراتيجي دو ديفيرسيفيكاسيون دي برودوي عندك سوا تمشي تحط عندها سوا كتجيب هي كتحاول تجيب الناس يحطوا عندها الفلوس سوا كدير دي تيتر بحال شكل ديال اسهم تيتر اكتيف فينانسي كتجي كتقول لك نبيعو لك كتبيعو لك مثلا بواحد 10000 درهم ولا 100000 درهم ولا مليون درهم ولا على حساب غادي نشوفو قلنا ديجا من بعد شحال النيفو ديال شحال تيكون البري ديالهم ما بيناش وما بيناش دونك كتشري من عندها عن طريق واحد المبلغ باش انت تولي كتاخذ واحد لانتيري دونك بون دو كيس او سيرتيفيكا دو ديبو بور لي بون دو كيس اي سيرتيفيكا دو ديبو ال زون بيان سور ils ont le même principe ils ont le même principe de rémunération que les comptes à terme mais ici au lieu de demander au client de bloquer l'argent sur un compte bancaire on va lui dire on va vendre un titre et c'est un titre qui produit jusqu'à 4% Ce client va récupérer le titre ADA. Et s'il y a de l'argent avant l'échéance de ce titre, il peut demander, ou bien s'il désire de l'argent avant l'échéance, il peut demander à la banque de s'engager sur le marché ou de faire un chèque d'accord. Sinon, le client aura son chèque. Donc, le même cas des certificats de dépôt. Donc, certificat de dépôt est un, bien sûr, est un certificat négociable. الوغ سيرتيفيكات ديبو هو انهم اللي كتعطيك انت واحد لا بانك واحد التيتر كتبيعو ليك كتشري من عندها باش تولي تاخذ لي زانتيري كتولي كتغيمونيغاب لي زانتيري انت واحد الوقت انت كيخصك الفلوس
عندك الحق تمشي عند لابون كترد لي كتقول ليها فوالا ها التيتر ديالي سيري ها التيتر هذا عاودي سيري بيعيه ليا في المارشي ردي ليا فلوسي سينو عندك انت الحق تمشي للمارشي وتبيعو حيت تراه ديالك بيان سور طول اللي عجبك يكون نيغوسيابل الميم شوز بور لي بون دو كيس مي لا دي سميتو لا ديفيرونس اللي كاينه بيناتهم هو ان البون دو كيس الكاركتير باغمي لي كاركتيريس ديال الكاركتيريستيك ديالو il n'est plus négociable, même que je négocie. L'MBE, voilà. Alors, la masse monétaire. Donc, il faut la masse monétaire. Je dis la masse monétaire, elle a, il a de la inflation, elle a peut-être, qu'est-ce qu'on a de la récession. Alors, je dis qu'il y a d'autres problèmes, on contrôle la masse monétaire, à travers H, à travers l'agrégat monétaire. Alors, l'agrégat qui est utilisé là, c'est M3. Elle a d'autres M3, l'HQH. ملي حسبنا ام 1 جمعنا فيها البياس بلس البي دو بانك بلس الموني سكريبتورال ملي حسبنا ام 2 هي ام 1 بلس ديبو ا فيو ملي حسبنا ام 3 هي ام 2 بلس ديبو ا تيرم دونك ام 3 كتجمعهم كاملين دونك كتكونتروليهم دون فاصون جينيرال دونك ام 3 او ماروك ريبريزونت لا ماس مونيتير بغينا نشوفو في المغرب الماس مونيتير اش كتساوي هي ام 3 اون لابيل ايغالمون لاغريغا دو كونترول اي لي ايغالمون لا موني او سونس اوفيسيال au sens officiel bien sûr il a un sens officiel la banque centrale définit la monnaie à son sens large donc que tu as une la vision générale large ou globale à la masse monétaire à titre d'exemple supposons qu'au Maroc le stock de monnaie M1 s'élève à 1000 milliards de dirhams et avec 1000 milliards de dirhams dans l'économie marocaine est en équilibre c'est à dire maquinage l'inflation maquinage la récession. Parallèlement, le quasi-monnaie, je n'ai pas le quasi-monnaie, il y a placement à vue, placement à terme. Donc, quasi-monnaie, c'est le placement à vue, placement à terme. Placement qui est le quasi-monnaie. Vraiment, on a la monnaie, mais il y a une source qui est à fond. Donc, le quasi-monnaie s'élève à 6 milliards de dirhams. Trilum aïda baja ramadan. Les gens qui font ramadan, ils ont un peu de temps, ils ont un peu de temps. Ils dépensent. Le ramadan, qu'est-ce qu'on dépense du maxi rechoué. Donc, supposons maintenant le jour du ramadan que tous les déteneurs, bien sûr, de la quasi-monnaie décident ensemble de convertir la quasi-monnaie en monnaie. Même la convertir la quasi-monnaie en monnaie, il y a retiré la, le flux de l'eau. Quand la quasi-monnaie est en placement, ou la monnaie, flux. Donc, est-ce qu'il y a un stock de monnaie là? Je vais vous la banque. 100 milliards. Si vous avez un stock de monnaie, je vais vous donner 40 milliards. Donc, il a retiré tout le monde dans le même jour. Je vais vous donner un. C'est une catastrophe. Il y a un bloc à système. Monétaire, système financier, etc. Donc, la banque centrale est incapable d'intervenir. Donc, il y a des prévisions, des études, ou tu chauffes la masse monétaire, bien sûr, à travers l'indicateur. Donc, toutes les banques centrales utilisent la monnaie au sens large dans la comptabilité nationale. Mais quand on chauffe la comptabilité nationale, je dis la monnaie indna, quand on chauffe la monnaie au sens large, il y a la masse monétaire M3. نتمنى انك تكون استفدتي معنا من هذا الفيديو هذا كما نتمنى انك تبارطاجي الفيديو باش يستافدوا طلبه اخرين تما من هذا الفيديو هذا كذلك الى بغيتي توصل باخر الفيديوهات تفورجيسيو اكاديمي يمكنك تابون معنا في لاشين يوتيوب كما انك يمكن لك تزور الصفحه ديالنا فيسبوك فورجيسيو او لاباج ديالنا فورجيسيو اكاديمي باش تشوف اخر اعمال ديال فورجيسيو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته